Salut à tous, c'est Soukoy. Aujourd'hui, je suis avec Leif. Salut tout le monde. Et on va faire une vidéo un peu spéciale, une rétrospective sur 2015, avec les différents jeux qui nous ont plu et ceux qui nous ont déçus. On a donc défini 5 catégories très précisément. On va commencer par les meilleurs, entre guillemets, c'est-à-dire ceux vraiment qui nous ont plu particulièrement, sachant qu'on n'a pas joué à tous les jeux et en particulier parfois aux gros titres. Ensuite, on va passer aux jeux qui sont à l'heure actuelle en Early Access et qui devraient en sortir l'an prochain et dont on a beaucoup d'espoir, vu qu'ils sont déjà très intéressants. On a une catégorie assez fournie d'ailleurs avec les jeux qu'on n'attendait pas et qui nous ont séduits. C'est vrai qu'il y a souvent des sorties qui apparaissent un peu de nulle part et on teste et puis ça nous plaît. Bien sûr, malheureusement, il y a une colonne déception. Et enfin, une catégorie importante, c'est la catégorie de la communauté, puisque vous avez posté pas mal de commentaires et on vous remercie énormément pour votre participation. Et donc, on essaiera de mettre en exergue certains des jeux que vous avez mentionnés également pour les commenter si jamais on y a joué ou si on veut y jouer prochainement. Voilà, alors Leif, on va peut-être commencer par une des pépites que j'ai trouvées dans l'année 2015. Ben oui, vas-y. Et voilà, donc sans surprise, vu que parfois on fait des let's play, c'est souvent que les jeux nous plaisent, hein, donc évidemment c'est plutôt dans cette catégorie que ça tombe. Et moi j'ai sélectionné Invisible Inc., qui d'ailleurs au demeurant ne marche pas très bien sur la chaîne. Donc si vous pouviez regarder plus ses vidéos, parce que vraiment il est un peu déprimé, quand il Non, il n'y a dépassait pas de pas les frustration parce 30-40. que au moins j'ai plaisir d'y jouer, donc c'est pas grave si personne ne regarde. Mais ouais, non, j'ai beaucoup aimé. J'avais pas testé quand il était en Early Access, j'ai attendu qu'il en soit sorti. Et autant je ne suis pas vraiment, je fais pas partie des gens qui aiment toujours l'aléatoire et le contenu généré justement de façon random dans les niveaux. Autant pour Invisible Inc., je trouve que c'est vraiment au centre du gameplay, c'est bien pensé. Et c'est vrai que les différentes runs sont équilibrées et le côté un peu nouveau à chaque fois surprend. Et c'est quand même assez court de faire une mission, ça dure même pas une demi-heure. Donc quand on perd, c'est pas grave, on recommence à zéro. C'est pas complètement frustrant, je trouve. Alors, Toi, tu l'as pas testé, je crois, hein. non, mais par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que tu avais peur de ne pas terminer justement ton let's play, en tout cas de ne pas arriver à gagner. C'est vrai. Et tu y es quand même arrivé, même si tu n'ouvrais pas tous les coffres, en tout cas tu les ouvrais, mais tu ne prenais pas ce qu'il y avait dedans. Ouais, Ce j'ai qui voulu était un ajouter mode un de peu jeu de un peu difficulté. particulier, il faut bien l'avouer. Mais non, c'est vrai qu'on a discuté juste avant, je trouve ça marrant que tu l'aies mis dans les meilleurs, parce que ça, j'ai pas trop regardé des vidéos, donc je ne savais pas forcément ce que tu en pensais. Mais ouais, c'est écoute, en tout cas, moi je pense que j'essaierai d'y jouer. Tu devrais, parce que c'est un jeu qui est vraiment bien équilibré et tu sens vraiment que d'ailleurs, je pense que les autres jeux qu'ils ont fait sont quand même très bons chez Clay. Et clairement, game designer plus les artistes sont bons. Et c'est assez rare d'avoir les deux dans un studio. Donc là, pour le coup, ça fait quand même quelque chose d'assez étonnant. C'est à la fois infiltration et puis à la fois tactical. Donc non, bravo. Rien à dire. Et on Bon, va enchaîner peut-être avec autre chose qui n'a rien à voir. oui, bon, on reste un peu quand même dans le domaine de la stratégie. Donc, moi, c'est Age of Wonders 3, Eternal Lords. Donc, le jeu est sorti en 2014, le jeu de base, mais moi, j'ai découvert le titre par sa dernière extension, donc Eternal Lords, qui est sorti cette année. Et c'est vrai que, comme je le disais dans ma vidéo de First Contact, c'est vraiment une série que je connaissais pas du tout, ou juste de nom, j'y avais jamais joué, et pour moi ça a vraiment été une belle surprise. Et là, c'est vrai que, du coup, c'est l'autre série que j'adorais, donc Heroes of Might and Magic, qui maintenant pâtit de la concurrence. Et c'est vrai que là, je joue à Heroes 7, et voilà, souvent je me dis, ah bah tiens, bah là, dans Age of Wonders, ils font ça, là, il n'y a pas, etc. Donc c'est vrai que. Ça a été vraiment pour moi une belle découverte avec un titre qui est blindé de contenu. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Il peut être assez difficile. Il y a beaucoup de techniques à maîtriser. Et franchement, c'est vraiment. En tout cas, c'est vraiment. Cet opus-là, il est excellent. Et je n'ai pas trop suivi où en était le studio Triumph s'ils allaient faire plutôt de nouvelles extensions.
sur Age of Wonders 3 ou je connais pas l'actualité non travailler plus. Sur le 4, mais en tout cas je vais suivre de très près maintenant l'actualité sur ce titre, parce que pour moi pour l'instant ça reste l'un des meilleurs exemples du genre, en tout cas voilà, si on veut un peu du genre Heroes, c'est pour moi l'un des meilleurs. Et donc est-ce qu'on peut s'attendre à une déception de la case Heroes 7? Écoutez, les pronostics sont plutôt... non, franchement, moi, Heroes, ça reste une série que j'ai à cœur. Comme vous avez pu le voir sur mes deux vidéos sur la bêta, notamment la première qui a fait énormément de vues, je vous remercie tous, même si j'ai baillé tout le long de la vidéo, enfin, en tout cas une bonne partie au début. Donc c'est ce que je me suis dit, c'est qu'il fallait que je baille pour qu'elle fonctionne. Le jeu est très bon, il n'y a rien qui pour moi est vraiment... problématique. Alors, les puristes ont peut-être hurlé parce qu'il y a certainement des choses pour eux qui relèvent de l'hérésie, mais globalement ils ont fait un Heroes très traditionnel, très orienté communauté, et c'est justement ce qu'on peut lui reprocher quand on est un peu moins investi, en tout cas un peu moins fan, c'est de se dire bah ouais, finalement c'est pas forcément différent des anciens. Après là c'est vrai que j'ai laissé passer les premiers patchs parce que souvent les jeux Ubi, il vaut mieux pas y jouer au début, il vaut mieux y jouer quelques mois après en tout cas. Comme et, beaucoup de jeux malheureux. Ouais, mais enfin c'est un peu dommage pour un jeu à 50€ quand même. C'est clair. Et là, finalement, j'ai commencé une campagne, je m'amuse bien, il tourne bien, on retrouve le plaisir de jouer, mais c'est vrai que ça reste très classique. Donc je vous en reparlerai en début d'année, parce que ça sera l'une des vidéos pour bien commencer 2016. Mais en tout cas, c'est pas un mauvais rose, mais c'est pas forcément celui qui va révolutionner la série. Ok, donc si t'as le choix entre acheter les deux au même prix, tu prends Age of Wonders 3, quoi. Ah bah là, très clairement, parce que... Là, il est à 50€ le bundle avec les deux extensions, et il y a vraiment beaucoup, beaucoup plus de contenu. Et je pense que si quelqu'un hésite, il faut vraiment prendre Age of Wonders 3. Bon, ça, au moins, c'est un message clair. Allez, okay, à toi. Alors, ouais, moi, j'ai ajouté un tactical parce que c'est vrai que c'est un peu mon domaine de base, hein, tout ce qui est XCOM-like. Alors, c'est pas forcément le jeu de l'année pour tout le monde, je pense, c'est plus un coup de cœur, c'est Hard West qui est sorti il y a peu. D'ailleurs, c'est assez mitigé en termes de réaction, j'ai vu sur Steam ou autre. Bon, après, voilà, ça mixe XCOM que j'adore et on va dire le setting western qui est également cher à mon cœur, donc c'était quasiment un pari gagnant pour moi. Et j'ai pas été déçu parce que parfois quand on attend beaucoup de quelque chose c'est facile de pas vraiment apprécier. C'est relativement classique mais il y a quand même des bonnes petites idées qui sont intégrées, et surtout je trouve qu'ils ont fait un effort pour vraiment respecter la thématique western dans tous les segments du jeu. Maintenant ouais, il y a des problèmes au niveau de l'histoire, de l'enchaînement, donc l'immersion peut être un peu cassée, ou si les gens aiment avoir des sauvegardes manuelles par exemple, ils sont un peu frustrés. Mais c'est un jeu, franchement, si tu joues en difficulté expert et tu es prêt à souffrir, et bah, tu prends du plaisir. Alors peut-être que c'est un peu bizarre dit comme ça, mais... Bon, moi je recommande vraiment si voilà, le western parle. C'est quand même la porte d'entrée, quoi. C'est vrai que de ce que j'ai vu à la sortie, et peut-être c'est ce qui a aussi influencé pas mal le test, le jeu était... souffrait de quelques bugs embêtants côté réalisation. Ouais, c'est vrai que moi j'en ai pas souffert, alors ça dépend souvent des configs, ça c'est toujours le problème des jeux PC, voilà. Mais... Et puis tu as peut-être joué juste après aussi sur une version, non pas de presse, mais live entre guillemets, qui était peut-être un peu moins buggé. Mais c'est vrai que c'est... Ouais, mais bizarrement, c'est vrai que le jeu a pas fait... a pas eu un buzz énorme entre guillemets, en tout cas côté presse. Non, même sur Steam, il y a eu un peu d'attention à sa sortie, mais je pense qu'au bout d'une semaine, la hype était déjà passée à autre chose, mais ça, c'est un peu la tendance actuelle de toute manière. Mais honnêtement, la campagne, d'ailleurs, j'ai vu que tout le monde ne l'a pas fini. Il faut, voilà, il y a quand même pas mal de missions et de contenu. Après, voilà, quand on joue une demi-heure sur un scénario et qu'on se fait tuer par le dernier personnage et qu'on doit recommencer à zéro, peut-être qu'il y a une tendance à faire du rage quit. Moi, c'est vrai que j'y ai joué. Les combats sont vraiment bien. Parce qu'on retrouve justement les mécaniques XCOM que pour moi fonctionnent parfaitement. Mais c'est vrai que vu que tu m'as dit que c'était pas pour moi, parce que justement j'allais certainement être très frustré par ces histoires de sauvegarde.
C'est vrai que moi, ça c'est le truc, vraiment mourir à la fin après avoir perdu une demi-heure, ça me saoule un peu et j'ai pas forcément du temps à perdre là-dessus. Peut-être qu'ils changeront ça. En tout cas, je trouve qu'ils ont posé les bases de quelque chose qui pourrait être très intéressant sur une suite. Aussi parce que précédemment, ils n'avaient pas eu un gros succès. C'est un studio polonais, je crois, qui avait fait Ancient Space, qui était un RTS spatial assez moyen. Donc, ça aurait pu rentrer dans la case Bonne Surprise, mais je le pousse carrément dans les tops. En voilà. Tout cas, les Polonais, ça a l'air de bien leur plaire quand même, le setting western. C'est vrai. C'est vrai, puisque t'as aussi Call of Juarez, c'est ça ? Exactement. Qui devient de chez Techland. Exact. Et sinon, j'ai sélectionné un dernier jeu. Alors là, c'est un autre, un autre type de gameplay, puisqu'on est sur du stratégie tour par tour à un peu plus grande échelle, même si c'est pas de la grande stratégie du tout. Sans surprise, pareil, parce qu'il y a quand même un let's play assez long sur le sujet, c'est Order of Battle Pacific. Alors, je sais que la Seconde Guerre mondiale, c'est devenu un peu has-been. Moi, ça me gêne toujours pas, même si le Théâtre du Pacifique, c'est pas celui que je préfère. J'ai un côté un peu front de l'Est de base. Mais malgré tout, voilà, il y a peu de jeux finalement sur ce théâtre d'opération, premièrement. Et surtout, j'ai trouvé que c'était un des rares jeux de type Panzer général qui essayait d'innover dans le genre. Alors ça reste limité puisque c'est quand même très centré sur la partie ravitaillement. Mais tu sens qu'il y a des mécaniques qui sont nouvelles. Il y a une réalisation qui sort un peu de ce dont sont habitués les wargames. C'est aussi assez mignon, je trouve. J'entends bien, mais je veux dire, tu regardes Panzer Corps à côté. C'est pas le même monde. Ouais. Ça arrive à faire ramer un PC en fait. Donc, ça c'est quand même assez exceptionnel. Ça peut être parce qu'il y a des petits problèmes de code, mais en tout cas, il y a du contenu. Et clairement, là, ça a posé les bases d'une série, puisqu'il y a déjà un add-on qui sortira en janvier prochain. Donc, moi, je pense que ça va se développer. Alors, ça va couvrir de plus en plus, sans doute, de fronts, etc. Effectivement, si la Seconde Guerre mondiale a un côté un peu redondant, ça peut perturber. Mais non, je trouve qu'ils ont réussi à innover dans un secteur qui est assez traditionnaliste de manière générale. Maintenant, oui, le côté un peu combat naval ou aérien, pas toujours super bien rendu dans ce genre de jeu. Je crois que la partie navale, toi d'ailleurs, t'as un peu frustré. Parce que ça peut être un peu mou. Non, mais... En fait, moi, du coup, j'ai pas mal joué aussi. Et c'est vrai que j'ai tout de suite accroché parce que j'ai retrouvé des mécaniques que j'avais dans Commander. Il y a aussi le let's play sur la chaîne qui pour moi, si ça avait été un jeu sorti plus récemment, je pense que j'aurais mis aussi dans les coups de cœur. Et en fait c'est juste parce que j'ai pas du tout le pied marin et dans tous les jeux j'aime pas du tout je déteste tous les combats navals. Non, et puis là c'est vrai que pas de bol, en plus j'ai fait la campagne côté japonais, me retrouver dans des batailles célèbres où on sait qu'ils se sont pris une grosse pilée et que ça va être très dur. Moi c'est déjà à la base je pars perdant et il y a des cartes que j'ai refait 7-8 fois voire plus, donc là ça a été plus de douleur que de plaisir. Par contre, c'est vrai que sur la partie combat terrestre, j'adore le système de jeu, j'adore comment c'est fait, et surtout ce que j'aime bien dans cette série, dans ce titre-là, et ce que j'avais aussi dans Commander, c'est que je trouve que pour des gens qui, comme moi, sont pas forcément experts des jeux de stratégie de ce type-là, c'est plutôt assez facile en fait à prendre en main. C'est une bonne porte d'entrée pour le wargame. Ouais, ouais c'est vraiment. Parce que tu disais, même la partie ravitaillement, c'est finalement super simple à gérer. Et c'est vrai que j'ai voulu mettre un petit peu tâter d'autres titres wargame plus réputés, comme notre ami Gary. Juste le ravitaillement, tu comprends rien du tout. Donc, Gary Grigsby, c'est un peu plus velu, c'est sûr. Ouais, déjà, si t'arrivais à déplacer des unités et à faire un tour, t'es déjà content. Non, mais je trouve que pour des gens qui ont envie de s'essayer à ce genre de jeu, moi je le recommande vraiment pour commencer à s'éclater un peu. Les combats sont. On comprend vite le principe en lisant le manuel ou en regardant une ou deux vidéos. C'est assez simple, oui, c'est intuitif, intuitif. Et c'est pas trop austère.
Même la narration est plutôt bien. C'est vrai que franchement, là-dessus, je pense que quelqu'un qui est un hyper expert des wargames, il va trouver ça un peu simpliste. Mais ouais, c'est un peu son jeu sympa, casual du moment. Ouais, c'est celui qu'il va offrir à son enfant de 7 ans. Quoi. Mais pour tous les autres, les gens normaux, c'est juste génial. Et en fait, ben voilà, ça conclut notre première catégorie. Donc on avait pris 4 titres. Alors voilà, de façon tout à fait subjective, mais on pouvait pas non plus en rentrer beaucoup plus, sachant ouais. qu'il y a beaucoup de jeux qui nous ont plu. Hein. Je pense même que le 2015, ça a été plutôt, Bonne année. Hein, ouais. Voilà, il y a beaucoup de jeux, de plus en plus sur PC. Alors, c'est pas forcément bon pour les développeurs, mais au moins pour nous, c'est sympa. Et c'est vrai que même dans les jeux que vous avez cités, il y en a beaucoup. Si on s'est dit, ah ouais, celui-là était bien, mais c'est vrai que bah, ça fait une liste après qui aurait été très très longue. Donc là, c'est vraiment, comme disait Sukhoi, des titres qui n'ont peut-être pas forcément eu un succès commercial énorme, mais pour nous, qui ont été un coup de cœur de cette année. Exact. Je te propose donc de passer à la catégorie suivante, à savoir les jeux qui sont actuellement en Early Access, auxquels on a joué, qui nous ont plu, mais donc qui ne sont pas terminés et on en attend encore plus. Alors un jeu qui m'a particulièrement plu, j'ai déjà dû faire au moins 3 vidéos dessus d'ailleurs, c'est Battle Brothers. Donc c'est un titre qui est vraiment sympa parce qu'il y a un côté dark fantasy, enfin dark médiéval on va dire, tactical mais avec une sorte de monde ouvert généré aléatoirement à chaque fois. Et assez violent pour le joueur, parce qu'on peut vraiment perdre facilement ces petits personnages là. On leur donne un nom de notre meilleur ami et puis il se fait découper par un zombie en même pas 2 minutes. Mais au moins il y a une vraie sensation de progression. Il y a beaucoup d'armes type médiéval, donc ça c'est assez sympa. Et puis le petit côté chacun des compagnons a une caractéristique ou plusieurs qui sont cachés avant qu'on les recrute. Ça peut rendre fou ou au contraire ça peut être génial, sachant que voilà, ça a vraiment une influence sur leur capacité au combat. Maintenant, ce qui manquait, c'est que la partie, on va dire, monde ouvert justement, était assez limitée. On tombait parfois sur des ennemis, mais voilà, ça occasionnait un combat. Maintenant, les quêtes étaient très simplistes. Et donc voilà, ça manquait un tout petit peu, on va dire, d'histoire, de contexte pour avoir une immersion complète. Et je pense qu'ils ont d'abord bossé sur la partie combat et tactical. Et après, il faut être capable de mettre une surcouche avec ce monde ouvert. Donc s'ils arrivent à faire ça proprement, on ne peut jamais savoir auparavant, surtout quand c'est un petit développeur comme ça. Je pense que là, on aura quand même un super jeu. Toi, Life, tu l'as pas, mais je pense que tu as quand même regardé un peu à quoi ça ressemblait. Ouais, non, ça avait l'air très sympathique. Et après, c'est vrai que je me souviens, tu m'avais fait ce feedback là quand tu avais joué, qui était de dire pour l'instant c'était au niveau du contenu, c'était un peu vide, en tout cas, il fallait que ça bouge. Et ouais. Je sais pas toi si t'as regardé là dernièrement du coup, est-ce que... J'ai vu, si, il y a eu pas mal de... Il y a eu 2 grosses mises à jour je pense depuis la dernière vidéo, mais on sent que le développement va être long malgré tout, parce que voilà, ils ajoutent des fonctionnalités à chaque fois, et ça prend du temps, parfois pour des points qui n'ont pas l'air d'être extrêmement compliqués à développer, donc... Voilà, est-ce qu'ils prennent le temps, et ça c'est une bonne chose pour vraiment tout peaufiner, ou est-ce qu'ils ont des difficultés techniques? Ça, honnêtement, je l'ignore, donc. Mais je le sens bien malgré tout. Ouais, mais en tout cas, c'est vrai que ça a l'air plutôt intéressant. Je regarde un peu où ils en sont. Le jeu est quand même mis ce. Ah non, c'est les updates qui sont rapprochés. Oui, en fait, le problème, c'est qu'ils postent beaucoup pour dire qu'ils vont faire des choses, mais vraiment, l'update en lui-même, on le voit assez rarement, tous les 2-3 mois peut-être. Je crois qu'ils veulent ajouter des personnages féminins, ce serait sympa. Mais voilà, malgré tout, c'est pas ça qui va changer complètement le gameplay. Avoir des personnages féminins, c'est cool, mais bon. Ça me fait penser à un autre jeu, ça. Ouais, peut-être. Mmh. Mais j'ai bon espoir. Après, ça se trouve, encore 2016 sera encore une période entière d'Early Access pour Battle Brothers. Hein. C'est tout à fait possible. Voilà, on verra bien comment ça dure. C'est des Allemands, ouais, ils sont pas nombreux. Hein. Ouais, je crois qu'ils sont Hollandais, même. Et en fait, ils sont 2 ou 3, donc... Ah non, ils sont à Hambourg. Y a un programmeur, un qui s'occupe de l'art, et puis il y en a 2 qui font les musiques. Voilà, donc tu vois, c'est le marketing, donc lui il n'a pas foutu grand chose au niveau du dev.
si le programmeur a des petits soucis, forcément ça prendra plus de temps. Mais bon, je peux pas le déconseiller à l'heure actuelle, puisque vraiment on prend du plaisir. C'est juste que ça fait partie de ces jeux qui sont bons dans le sens où bah, tu veux en avoir plus. Donc voilà. C'est pour ça que je pensais que ça rentrait dans cette catégorie. Mais tout à fait. Hein. Assez logiquement. Et bien sûr, en deuxième titre dans la catégorie, j'ai sélectionné encore un Tactical. Hein, j'ai un problème avec ça. J'ai pris Lethal Tactics. Donc j'ai fait une vidéo First Contact d'ailleurs. Il faut que j'y rejoue bientôt. Donc là, on est sur. C'est un peu plus traditionnel, je dirais, comme système. Avec souvent des cartes de type escarmouche. Et en fait, il y a deux équipes. Tu en gères une et en fait tu donnes tes ordres. Alors bien sûr tes personnages ont des caractéristiques différentes, mais ce qui fonctionne bien je trouve dans ce titre, c'est le côté tour par tour simultané. Donc t'es obligé de planifier un peu ce que fait l'adversaire pour prendre tes propres décisions, avec un level design qui est assez classique mais vraiment bien exécuté. Donc tu sens que c'est un gros potentiel en multijoueur. Et c'est vrai que ça manque un peu de titre, je trouve, vraiment stratégie orientée multi ces derniers temps. Donc j'en ai fait mon chouchou pour l'an prochain, mais je crois que c'est d'ailleurs presque la fin pour lui. Il devrait sortir dans les access en janvier. Et donc là, je peux déjà annoncer qu'il y aura un recontact immédiatement à la sortie pour vérifier si mes espérances sont comblées ou non. Voilà, je sais pas si tu avais vu passer ce titre-là. Ça rappelle non. Frozen Synapse. Hein, ouais, non, tu vois, Non, je il me disait rien. Là, je regardais tout à l'heure et c'est vrai que même la c'est vidéo, Frozen Synapse rencontre Team Fortress 2. En gros, en termes de type de perso et de type de gameplay, voilà. Bon, mais ça a l'air quand même plus orienté multi. Hein. Je trouve, ouais, je pense qu'ils mettront du solo par. Pour s'entraîner. C'est un peu parce que c'est dans le cahier des charges, mais clairement, il faut le prendre si vous aimez le multi. Sinon, je vois pas l'intérêt. Ok. Très bien. Et je crois qu'il reste un titre dans cette catégorie qui est ton c'est choix, mon petit Life. C'est mon petit choix. Alors moi, c'est un titre qu'on a vu sur la chaîne deux fois. Je crois que j'ai fait deux vidéos dessus. C'est Subnautica. Donc pour le coup, lui, là, c'est un peu l'ovni par rapport à ce qu'on fait d'habitude, hein, parce que c'est pas du tout un jeu tour par tour, jeu de guerre ou autre. C'est vraiment jeu plutôt orienté exploration, survie, construction. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en général, j'aime. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais je trouve. Si, t'aimes pas les survival. Oui, bon, ok, j'aime pas ces jeux. Notamment parce que je trouve que c'est souvent les titres pleins de hype où on se dit, hop là, on va faire un jeu de survival avec des dinosaures et on va vendre des caisses. Même s'il est pas fini, qu'il y a rien dedans, mais c'est pas grave. Donc je citerai pas de jeu, mais vous avez certainement deviné. Là, pour le coup. Je trouve que l'équipe qui est derrière, donc c'est le studio qui a fait Natural Selection 2, c'est plutôt une équipe qui est sérieuse, il y a des updates qui sont très régulières, il y a aussi un suivi, on peut voir vraiment ce que fait l'équipe, donc ça c'est plutôt rassurant, les mises à jour sont pas forcément que des bug fixes, il y a aussi du nouveau contenu, et je trouve que le concept, moi, change un petit peu ce côté exploration sous-marine, les environnements sont très jolis, et c'est ce qui me plaît, voilà, c'est plutôt... Pour le coup, voilà, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas vraiment ce que... On n'est pas obligé de jouer dans un côté angoissant, on sait qu'on va mourir toutes les 5 minutes, on peut mourir si on ne fait pas attention, mais une grosse part du jeu reste quand même de l'exploration, de s'émerveiller devant les beautés... Exactement, c'est comme un aquarium en fait, c'est très très relaxant. Sauf que là, il y a quand même des poissons qui peuvent vous manger. Donc, et la sortie est pour l'an prochain ? Ah bah là, tu me poses une colle, j'en ai aucune idée moi. Eh bah oui, mais j'aime bien te coller en direct, ça me fait plaisir. La sortie pour l'an prochain, bah peut-être, enfin je sais pas. Ça fait un moment quand même qu'il est en early access, non ? C'est ouais, pas oui, début d'année depuis, oui, oui, ça fait quelques temps. Après, je pense que c'est vraiment le genre de jeu quand en fait il va sortir. Dire ouais, ça y est, le jeu est plus en early access, ça changera pas grand chose parce que sur Natural Selection il commence à bosser et il continue à bosser régulièrement. Là, je me souviens pas de date en particulier, donc je sais pas forcément combien de temps il planifie. Je sais qu'au début il y avait peu de personnes qui travaillaient dessus, là il y en a de plus en plus. C'est vrai que le jeu aussi a un succès dans la communauté. Vous voyez, sur Steam il a
plus de 6000 évaluations, ce qui est pas mal quand même. C'est beaucoup. Ça commence à faire très bon score. Donc voilà, c'est un jeu qui a commencé doucement, qui s'est bien développé. Et je pense que pour le coup, voilà, il mérite amplement en tout cas son succès. Et, donc tu recommandes d'ailleurs l'acquisition dès maintenant. Ouais, bah après, si vous êtes vraiment allergique à l'Early Access, vous pouvez attendre. Là, il est à 20€, je crois. Et bah, pour les soldes, typiquement les soldes de fin d'année, à Noël, ça peut être une bonne occasion. Et il y a déjà pas mal de choses à faire. Mais c'est vrai qu'après ce genre de jeu, tout ce qui explore, voilà, survival, construction, bah oui, chaque mois ou tous les deux mois, ils rajoutent des nouveaux trucs à construire, des nouveaux trucs à explorer. Donc, soit vous vous dites, bah, j'attends qu'ils aient tout ajouté et puis j'y vais quand il y a plein de choses, soit j'y vais petit à petit voir un petit peu les nouveautés. Donc ça, c'est vraiment plus une philosophie selon votre backlog, et si vous avez beaucoup de trucs à jouer là déjà, ou si vous êtes un petit peu en recherche de nouveaux titres. Moi, j'espère qu'il y aura un mode coop, comme ça je pourrais faire un peu de natation à tes côtés. Voilà, donc ça conclut la partie numéro 2. On va donc immédiatement passer à la troisième catégorie, qui, je rappelle, était les jeux qu'on n'attendait pas du tout et qui nous ont séduits. Et il y en a quand même pas mal, parce que en fait on n'attend rien avec Life, c'est ça le problème. On est toujours surpris. Alors, le premier titre, pour une fois, c'est moi qui me lance sur la sélection. Donc un jeu que je n'attendais pas forcément, parce que voilà, je l'ai sélectionné un peu au hasard, c'était TA. Qui est sorti... Je sais pas comment on prononce ça d'ailleurs, pardon. Mais... Ouais, bah Théa, Théa, c'est bien Théa. Donc c'est un jeu qui est sorti en novembre, donc il y a pas très longtemps. Il était sorti en Early Access de mémoire. Et il y est plus. Ouais. Il y est plus, ouais, il est resté très peu de temps. Et donc c'est un 4X qui mêle bah, toutes les composantes du 4X, hein, exploration, craft. Et mais aussi un côté à nouveau survival, décidément. Mais là, je trouve tu vois, tu deviens fan. Ouais, je vais y venir bientôt là. Mais là, je trouve que c'est bien implémenté parce que finalement, ce côté survival se retrouve vraiment sur les cycles jour-nuit. Donc le jour, on est plutôt sur les phases d'exploration, on craft, etc. Et c'est bah, voilà, plutôt des phases où on est en une certaine sécurité. Et la nuit. Il peut y avoir des événements qui se passent, il peut y avoir des attaques de son village ou des attaques d'expédition qui se retrouvent trop loin que, voilà, du camp de base, par exemple. Et c'est vrai que ce côté-là, du coup, apporte une certaine dose de stress, ou en tout cas, on essaie de faire attention parce qu'on n'a pas non plus des ressources infinies. C'est même plutôt l'inverse. Et je trouve que le mix se fait bien, pour une fois. En tout cas, moi, j'ai vraiment accroché. Je vous ai fait une vidéo dessus. On attend le recontact. Hein. Voilà, qui sera prévu certainement pour le début d'année, pour janvier. Mais je pense que je suis pas le seul à avoir aimé le jeu. Parce que il y a quand même un succès critique d'ailleurs. Hein. Il a eu un succès critique, comme le dit très justement l'ami Sukhoi. Les ventes aussi ont été pas trop mauvaises. Et je pense que le studio le mérite. Voilà, c'est un studio. Slave, je sais plus exactement de quel coin, mais ouais, c'est un petit studio, c'est son premier titre, et ils ont bien réussi, je trouve, leur sujet, avec notamment aussi le mini-jeu avec les cartes, qui est utilisé plusieurs fois. C'est bien ça, parce que les combats m'avaient l'air un peu moyen, en fait. Moi, le jeu m'intéresse beaucoup, hein, mais au demeurant, mais cette partie m'intriguait plus, mais j'avais voilà, un peu peur que ce soit moyen. Quand il est sorti en Early Access et que j'ai commencé à jouer au jeu, c'était plutôt très moyen et je comprenais rien et c'était extrêmement frustrant. Et ils ont très vite corrigé tout ça, c'était principalement des problèmes d'interface. Finalement, c'est pas si mal. C'est pas exceptionnel, mais ça change les classiques combats tour par tour. Du coup, on peut mettre en place des petites stratégies et tactiques qui changent un peu. Après, le côté deck... joue pas trop, je trouve, là-dessus. C'est plus. C'est pas forcément du hasard, mais on n'est pas forcément en train de construire son deck comme un jeu de cartes traditionnel. Et le seul truc qui est intéressant, je trouve, c'est que vu que c'est les mêmes mécaniques qui sont utilisées pour plusieurs situations différentes, du coup, les compétences des personnages sont utilisées différemment selon le contexte, que ce soit un combat, que ce soit une relation diplomatique, un challenge social, par exemple. Et donc ça, c'est marrant, parce que du coup, des fois, on se retrouve, surtout quand on fait des expéditions, plein
de gros bourrin, comme je fais souvent, bah, quand il faut faire des challenges de type diplomatie, évidemment, ça marche pas du tout. Ok. Bon, en tout cas, je recommande. Alors, toi, tu as fait ton coming out survival, donc ça, c'est fait. Voilà. Moi, dans la série, par contre, je continue mon aspect monomaniaque avec mes tactical. Et donc, j'ai sélectionné Frozen Cortex. Pourtant, c'est pas tes seuls... C'est pas les seuls genres de jeux que tu adores. Non, enfin, presque. Donc là, c'est vrai que c'est un peu nouveau, puisque j'aime pas trop les jeux de sport, de manière générale, mais là, bon, vu que c'est mixé avec du tactical, ça allait tout de suite beaucoup mieux. Alors, je sais que c'est un jeu qui a pas bien marché, là, pour le coup, alors qu'en plus, ça vient d'un studio assez connu, puisque c'est ceux qui ont fait Frozen Synapse, d'où les mécaniques de base, d'ailleurs, qui ont été simplifiées et un peu changées pour l'occasion. Alors, je sais pas ce qui passe pas dans ce jeu, j'ai remarqué que, voilà, quand j'en parle avec des gens, je vois pas d'étincelles dans leurs yeux. Moi, j'adore. C'est vrai que l'univers est peut-être un peu bloquant parce qu'il a un côté, je sais pas, un peu robotique, mais vraiment c'est le futur, mais qui a pas l'air fun, quoi. On sent bien que c'est assez tristouille à ce niveau-là. Ah, j'ai ma théorie là-dessus. Ok, on va l'écouter très bientôt alors. Mais donc, en fait, tout est dans le gameplay. Tout le reste, pour moi, c'est du maquillage. Voilà, ils ont mis un jeu, ils ont mis des robots, ça a créé un sport du futur, mais en fait, on s'en fout un peu. Ce qui compte, c'est les mécaniques. Et les mécaniques, elles sont simples, vraiment efficaces, exceptionnelles en multijoueur, de mon point de vue. Et franchement, chaque partie, je suis immédiatement pris dedans. Et voilà, je ne le lâche plus, ce jeu, quoi. Donc, je pense qu'il faut y jouer une fois pour l'aimer. Quand on regarde juste, on va dire, les assets classiques de communication, type les images ou les vidéos. On reste un peu distant du jeu et à mon avis il faut qu'il se débrouille pour que voilà on mette vraiment le joueur avec sa souris et qu'il essaye par lui-même parce que c'est vraiment réussi. Même si au demeurant je sais pas comment ils ont fait ça, le tutoriel est catastrophique alors que les mécaniques sont simples. Donc voilà, ça c'est si j'étais au marketing chez eux je serais pas content sur ce point-là. Mais voilà, excellent jeu si vous aimez les mécaniques carrées et encore une fois le tour par tour simultané qui apporte aussi bien de la stratégie qu'un aspect un peu action et surprise. Maintenant, on écoute ta théorie. En espérant que je ne l'ai pas oublié. C'était sur... Non. En fait, ce que je pense, c'est que pour avoir essayé, puisque tu as essayé de me convaincre de jouer à ce titre, et j'ai fait le tutoriel et je n'ai pas du tout accroché. Moi, en fait, ce qui m'embête, c'est vraiment ce côté sport. C'est con, hein, mais du coup, je n'ai pas du tout accroché à ça. Je suis vraiment pas de la cible des jeux sportifs aussi. Donc c'est dommage parce que pour le coup, le tour par tour simultané, déjà, je trouve que c'est, enfin, pour moi, c'est un peu perturbant comme système de jeu. Moi, j'aime bien, je joue, tu joues, très tranquille, pépère, et j'ai le temps de réfléchir 3 heures. Ouais, j'aime bien, pas de surprise. Et là, il y a trop de surprises, déjà. Mais moi, le côté sportif, là, il m'a pas parlé, il m'a pas plu. J'ai pas forcément réussi à me mettre dedans. Et du coup, on n'a jamais fait de partie alors qu'on devait faire une vidéo multi dessus. Voilà, on en fera une en 2016. Ouais, 2017, peut-être. C'est déjà tout plein. Et ce que je me disais, en fait, c'est... tu vois, Blood Bowl, par exemple. La couche Warhammer t'intéresse plus. Voilà, tour par tour, pas simultané, mais pour le coup, je trouve que l'univers Warhammer, avec tout ce qu'il apporte, donne envie de se mettre dedans, quoi. Je comprends. Et c'est pour ça aussi que le jeu marche bien, c'est parce qu'on a envie de se mettre dedans, alors que je pense que d'un point de vue purement gameplay, comme tu dis, si on enlève tout, peut-être que Frozen Cortex est plus intéressant. Mais encore une fois, ça fait pas tout, quoi. Je sais pas, parce que Blood Bowl, ça, l'avantage qu'il a, c'est qu'il y a des factions très différentes avec des profils très différents et donc tu n'as pas les mêmes stratégies contre les autres. Alors que ce qu'a fait Frozen Cortex, et moi que je trouve vraiment bien, c'est que d'une manière générale, tu as quasiment vraiment les mêmes atouts et les mêmes faiblesses que ton adversaire. Donc ça rend les jeux que j'appellerais un peu purs, dans lequel vraiment, là, c'est juste l'intelligence du joueur ou presque qui permet de gagner ou pas, quoi. Mais encore une fois, encore mieux en multi. C'est multi et pour moi c'est un jeu ultra compétitif. Clairement, je joue pas pour rigoler à Frozen Cortex. Mais en plus, tu joues pas en multi, toi. Mais si, bien sûr. Pas avec toi, parce que tu viens pas. Ah, voilà, c'est ça en fait.
Voilà, donc ça c'était pour moi. Et puisque voilà, c'était un jeu un peu hardcore dans son genre, toi t'en as sélectionné un encore plus hardcore, encore plus sadique, à Ouais, savoir. mais pour le coup, c'est vraiment celui qui est rentré dans la bonne surprise. Donc c'était Edge of Decadence, qui est un titre qui a aussi eu son petit succès, réalisé par un studio russe, si je me plante pas. La réalisation, d'ailleurs, juste voilà, graphiquement, c'est pas forcément pour ça qu'on y joue, c'est pas moche, mais bon, c'est un peu daté. Par contre, moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est j'ai trouvé que pour une fois, tout ce qui était vraiment les choix Dans un dans un RPG avait du RPG. sens. Ouais, c'est vraiment c'était vrai quoi. Et même s'il y a deux trois trucs sur lesquels on peut être un peu déçu, notamment sur on n'a pas trop d'infos sur certaines options de dialogue, on se dit est-ce qu'on va réussir ou pas réussir, et finalement faut le faire, et puis on se rend compte qu'on avait pas assez de points, donc du coup bah on est mort. Bah, on charge et puis on se dit bah on va pas prendre cette option là, on va faire une autre, donc c'est un côté un peu artificiel cet aspect-là. Mais toujours est-il que c'est vrai que pour une fois on peut vraiment faire un personnage, et d'ailleurs c'est souvent même conseillé, qui essaie de résoudre toutes les situations. Par la parlotte, en essayant de retourner des personnes contre d'autres, etc. Donc, ça c'est assez rare parce que d'habitude, dans les RPG qui vous vendent ça, il y a toujours quand même un côté action parce que ça Ouais. fait vendre et si on ne tue pas des gens, finalement c'est un peu chiant. Alors que là, pas du tout, parce que quand on fait des combats, et j'en ai fait quelques-uns, Tu fais démonter. tu te fais démonter assez vite, ça veut pas dire qu'ils sont impossibles, et la partie combat est bien foutue aussi, mais très clairement le jeu il pousse pas dans cette voie-là. Donc J'ai l'impression d'ailleurs que c'est un des rares jeux type RPG comme ça dans lequel tu ne joues pas l'élu, le mec qui commence de base et puis qui devient le super chevalier et qui va sauver tout le royaume, quoi. non, tu commences, c'est une petite merde, et Vêtu. puis si tu choisis mal ton option de dialogue, tu fais une connerie, t'es mort, ou même il y a une option moi, pour la guilde des marchands, où si jamais tu te plantes, bah t'es exclu de la guilde des marchands, et puis voilà, enfin du coup tu peux C'est très continuer le punitif, jeu, quoi. tu peux continuer le jeu si t'as envie, mais tu pourras rien faire, parce que de toute façon il se passera plus rien. Mais c'est hyper perturbant, et c'est vrai qu'on t'attend pas, quoi. Ça sort des sentiers battus, au moins. Voilà. Après, bon, j'espère que ils arriveront du coup à avoir suffisamment de fonds pour en faire un deuxième, qui soit peut-être un peu plus abouti, mais qui a toujours cette base qui est Accessible. très bonne. Ok, donc j'ai l'impression que tu aimes les jeux exotiques. Là, on était chez les studios russes et puis tu nous as pris encore un jeu qui nous vient de très loin pour la suite. Quelle belle transition. Ouais, je sais. Même pas préparé. Exactement. L'autre titre que j'ai vraiment bien adoré, alors que tu étais contre et tu pensais que ça allait être une immense bouse, C'est vrai. c'est Nobunaga, Sphere of Influence, donc un jeu qui nous vient du Japon, et d'habitude, enfin donc c'est une série qui est assez vieille, qui un peu l'équivalent de Heroes of Might and Magic, pas du tout en termes de jeu, mais en termes d'ancienneté. Mais c'était des titres qui restaient vraiment côté archipel nippon, voire quelquefois du côté chinois. Mais en Europe, il fallait jouer à ces versions-là, donc c'était extrêmement compliqué. Et là, c'est la première fois qu'il y avait un titre qui sortait donc en anglais. Bon, c'est déjà ça. Et franchement, pour moi, qui adore les Total War, et ben, du coup, ça m'a parlé, ça m'a plu. Tout de suite, je trouve qu'il y a un mix Total War, un mix aussi avec les jeux Paradox, qui est bon. Il y a une certaine complexité sans trop en avoir. Les combats, on peut les faire de façon manuelle si on a envie. Évidemment, moi je suis un gros feignant, donc je le fais pas. Mais on peut se concentrer sur une partie diplomatie qui marche aussi bien. Enfin, je trouve que les composantes du jeu sont bien maîtrisées, sont bien ficelées. D'un côté, c'est pas forcément le premier titre qui sort et ça se sent. Le contexte historique est pour moi très intéressant. Et après, par contre, je pourrais comprendre que ça soit rebutant pour des. Voilà, si vous n'avez pas une certaine sensibilité avec l'histoire du Japon, voilà, c'est pas forcément très intéressant, je pense, dans ce cas-là. Par contre, si ça vous déplaît pas, si vous aimez bien l'histoire, donc c'est en gros si vous aimez bien jouer à des Total War ou à des Paradox, par des jeux Paradox, c'est un titre qui est vraiment, pour moi, une bonne surprise de cette année. Pour ceux qui le connaissaient déjà la série, bah c'est pas une surprise, mais en tout cas pour moi c'était une belle découverte. Ah, je dois avouer qu'il m'intrigue aussi. Comme tu l'as dit à la base, j'étais assez sceptique parce que je fais partie des ayatollahs un peu
du fait qu'un jeu de stratégie ça doit jamais exister sur console. Donc quand j'ai vu que c'était d'abord un jeu, je crois PS3 ou quelque chose comme ça, qui était porté sur PC, ça m'avait fait très peur. Mais voilà, je vais essayer de dépasser mes préjugés. Alors je le prendrai peut-être pas au prix ouais, de l'heure actuelle. Voilà, mais bon, sur une promo, je me laisserais peut-être tenter quand même. Après, je pense que l'un de leurs torts, c'est que toute la promo qu'ils ont fait sur le jeu, il y a aussi, c'était très à la japonaise, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de trailers cinématiques. Ouais, alors que c'est pas ça qu'on veut. On voyait les relations entre les personnages, on voyait qu'il y avait l'histoire, les retournements, les trucs comme ça. Bon, ok, soit. Il y avait très peu finalement de gameplay pur. Et à chaque fois, on se dit, oulala, qu'est-ce que c'est ? Et on a l'impression limite qu'on réglait tous les trucs à base de QTE. Enfin, c'était vraiment très bizarre, quoi. Et en final, le jeu, c'est pas du tout ça. Moi, c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, ben, en fait, ça va être une grosse bouse. Mais je pense que vraiment, pour le coup, la com était pas trop adaptée au jeu. Et je pense que c'est pour ça qu'en France, il a peut-être pas eu le succès qu'il mérite. Parce que. Ça reste niche, hein, faut le dire. Ouais, mais tu vois, il y a eu d'autres titres qui sont sortis sur la période. Notamment chez Paradox, et je pense qu'ils en ont vendu plus. Ouais, c'est sûr. En Europe. Ça va vraiment en face d'un Shogun 2, quoi. Ouais. Voilà, on va passer au dernier titre de cette catégorie, qui est un choix assez étonnant dans le sens où ça correspond pas vraiment au type de jeu qu'on aime d'habitude. Donc là, c'est un choix commun, puisqu'on y a joué ensemble, à savoir Rampage Knights. Donc c'est vraiment mixer des gameplays que j'aime pas d'habitude, c'est-à-dire c'est du beat'em all, au début. Voilà, c'est du roguelike en même temps. Donc c'est ça se joue surtout à la manette. Bref, c'est là où je suis mauvais d'habitude et vraiment j'ai du mal à accrocher à cause de ça sans doute. On sait jamais dans quel sens ça va. Est-ce qu'on est mauvais parce qu'on aime pas ou est-ce qu'on aime pas parce qu'on est mauvais? Mais là, pour une raison assez obscure, je trouve qu'il y a une vraie alchimie dans ce jeu-là. Et le côté, justement, on meurt, on recommence à zéro, est pas aussi frustrant qu'il peut être dans certains roguelikes. Parce que c'est vrai que les runs sont quand même assez différentes à chaque fois. Ouais. Aussi bien au niveau des maps que des objets. Exactement, ce que j'allais dire, voilà, les objets avec leurs effets aléatoires, des fois, c'est ce qui apporte toujours ce côté un peu nouveau de la run, où on récupère un truc qui fait un effet positif qui est génial, mais par contre un effet négatif qui est juste souvent séparé. Et du coup, ça, c'est vraiment ce qui m'a plu dans le titre, toi, ce côté un peu décalé, et c'est vrai que pourtant aussi. Ça se prend pas au sérieux, faut reconnaître. Ouais. Par contre, moi j'y jouerai uniquement en coop, hein. Je dois reconnaître que en solo. Ouais. Je sais qu'il y a des gens qui joueraient, là c'est plus sur des gens qui ont du skill et qui sont compétitifs, qui veulent voir la fin, débloquer les modes de jeu les plus durs. Perso, non, là, du coop, c'est sympa avec quelqu'un, on se tue entre nous, etc. Et ça me va, mais j'irai pas au-delà. En bonne humeur. Non, et puis en plus, si, en solo, c'est vraiment, comme tu dis, si tu veux débloquer une classe de personnage en particulier, que tu veux le faire vite, pourquoi pas, mais sinon c'est pas forcément trop. Bah, ça devient sérieux en fait, ça perd le côté justement un peu léger du titre. Donc, mais c'est vrai que ça par contre ça sortait vraiment de nulle part, parce que je crois que c'est un développeur tchèque peut-être tout seul qui a fait ça, et c'est assez impressionnant. J'ai pas vu de bug, il y a du contenu, même si évidemment quand on aime les jeux on peut les finir vite, mais voilà, c'est pas vendu très cher. Bon, un très beau mix, quoi, tout simplement. Ouais, et juste je crois qu'on avait eu des problèmes pour l'enregistrer, mais c'est tout. Ouais, mais ça on peut pas, aucun bug. On ne peut pas en vouloir aux développeurs d'avoir des problèmes avec les logiciels d'enregistrement. C'est pas... Il a 12 euros quand même. Oui, bon, il faut les mettre. C'est toujours pareil, surtout quand on joue avec quelqu'un, c'est-à-dire que tu multiplies par deux, mais... 18 euros pour deux. Ah bah voilà. Déjà, il y a un pack pour deux, donc clairement, ça veut dire que la coop est mise en avant et c'est bien normal. Ouais. Non, il a quand même 80 Metacritic, c'est pas mal. C'est vrai. Ouais, pour un titre indépendant comme ça et... Non, mais franchement, c'est vraiment le genre de jeu qui passe bien, quoi. C'est vraiment sympa. Vous pourrez venir régulièrement dessus. Voilà. Et après toutes ces bonnes surprises, on a quand même réservé une dernière catégorie qui est un petit peu orientée frustration, à savoir la case déception, même si de manière générale, avec Life, on est super optimiste au niveau de la vie, on aime quasiment tous les jeux. Il y a des déceptions. Alors, c'est pas... Il n'y a pas tous les jeux qu'on n'a pas aimés, puisqu'il y a beaucoup de jeux qu'on n'a pas aimés et on s'attendait à ne pas les aimer. Donc, voilà, la liste aurait été longue.
ça ne rentre pas dans cette case. Là, on va rentrer dans les déceptions, il n'y en a que deux, hein, donc on a quand même été assez soft. Et alors, on va décrire ça après, mais bien sûr, ça peut être une déception, soit parce qu'on aime une série et on n'aime pas vraiment l'orientation qu'elle prend, soit parce que c'est quelque chose qu'on attendait, qui avait l'air sympa, et puis quand il joue, c'est un peu le bide, et tu fais, mince, c'est pas ça que j'attendais. Donc, en numéro 1, moi j'ai sélectionné Blitzkrieg 3. Alors, c'est vrai que je suis un fan depuis le début de... Non, là c'était le temps réel, parce que j'étais jeune, voilà, j'ai un côté nostalgique dans Blitzkrieg. J'ai adoré ce jeu, j'ai joué énormément d'extensions. Et quand j'y ai rejoué il n'y a pas si longtemps que ça pour un All Contact, eh ben, j'ai quand même eu du plaisir. Donc tu vois, ça veut dire que les mécaniques marchent toujours, même en 2015. C'est pas si rouillé que ça. J'avais déjà été déçu par le 2, pour être tout à fait transparent. J'avais juste trouvé l'extension Fall of the Reich assez honnête. Et du coup, je me suis dit, bon, voilà, quand on fait un jeu culte, c'est difficile de faire une suite. Donc ils ont raté la suite, ils vont faire un troisième opus formidable. J'y arrive pas. J'ai vraiment essayé de l'aimer, c'est parti du jeu, j'essaie de les aimer, donc j'y joue. Et ça prend pas. Alors, je sais pas vraiment ce qui est en cause, je pense quand même. Moi, j'ai du mal avec ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire un système de base qu'on crée, qu'on améliore, et puis on va attaquer des bases d'autres joueurs. J'ai l'impression qu'ils ont eu du mal à vraiment sélectionner à la fois le business model et puis le game design qu'ils voulaient faire. Ils étaient partis sur un free-to-play, et on le sent. Ils ont rattrapé un peu les meubles en changeant des choses. Seulement quand ton idée directrice a un petit peu, on va dire, orienté ton développement, et que t'en changes après peut-être bien une ou deux années, c'est difficile de vraiment changer la donne. Alors je sais encore en Early Access, donc je veux pas être définitif sur le sujet. C'est toujours un peu le problème de ces jeux aussi, on a l'impression que les bêtas durent 5 ans. Donc j'y jouerai encore, j'y jouerai quand ce sera justement sorti officiellement. Mais pour le moment... ce n'est pas un bon Blitzkrieg pour moi, et ce n'est pas non plus au niveau d'un Company of Heroes où on sent que quand même ça a été assez inspiré. Alors peut-être que je deviens frustré ou vieux et qu'effectivement le temps réel me parle de moins en moins, c'est peut-être ça. Mais bon, j'y arrive pas. Voilà. Donc, tu te fais peut-être vieux, hein, tout simplement. Hein. Non mais n'hésitez pas à commenter d'ailleurs si jamais vous, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un sur une demande des vidéos qui disait que bah, c'était à son goût, c'était vraiment le jeu qu'il attendait, donc il y a un public. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux avec cette licence. Et voilà, je suis comme les anciens fans de Heroes 3, je veux le nouveau Heroes 3, mais là je veux le nouveau Blitzkrieg original. Et peut-être que tout ce qu'on proposera d'alternatif me décevra. Mais tu sais très bien que si on te faisait le Blitzkrieg original en version moderne, ça te paraît pas. Si, si. J'attends de voir. En tout cas, t'es pas le seul à penser ça. C'est vrai sur Steam, les évaluations sont variables et on sent que la communauté est un peu mitigée sur le sujet. Oui, et puis là, pour le coup, autant en Early Access, il y a parfois des développeurs qui sont assez à l'écoute, autant sur le forum Blitzkrieg 3, il y a deux ou trois modérateurs, en gros, ils sont assez directifs sur ce que peuvent dire les gens, on ne peut pas dire, et leur jeu est formidable, et si on n'est pas d'accord, c'est qu'on est mauvais ou qu'on n'a rien compris. Ce qui est peut-être vrai. Ça peut être les deux. Mais donc voilà, moi c'est le côté série qui évolue dans une direction qui ne me convient pas. Alors que toi, tu as pris un titre qui n'est pas issu d'une série, qui a même été créé par un peu la communauté, puisque c'est passé par Kickstarter. Ouais. Et que tu attendais, c'est rare que tu attendes un jeu. Et là, ça a fait. Et ça fait plouf. Plouf. Moi, ça fait plouf. Et toi, ça fait pchit. Ouais, pchit, plouf. Ça peut même faire les deux en même temps. C'est Skyshines Bedlam. Vous l'avez certainement senti dans la vidéo de First Contact. C'est un titre pour moi qui avait quand même toutes les qualités pour me plaire. L'univers, donc Mad Max, Steampunk, etc. Enfin bon, très la DA que j'adore. Vraiment, c'était ce côté-là, ça pouvait que me plaire. Bon, le roguelike, c'est pas ma tasse de thé, mais bon, soit tu pouvais faire une croix dessus. J'ai bien aimé des jeux survival cette année, donc pourquoi pas. Tout est bien possible. Tout est possible.
Et en plus, c'est vrai que le système de combat, pour moi, vu qu'il reprenait le moteur de jeu de Banner Saga, qui est un jeu que j'adorais aussi, bah, je me disais, bah, c'est bon, c'est sûr que je vais surkiffer et que ça va être génial. Et en fait, du coup, non, ils sont un peu foirés sur le système de combat, qui est assez décrié. J'ai vu que c'était quelque chose qui revenait très souvent. Déjà, le jeu est sorti bien buggé, alors que quand même, il était en early access. J'ai testé la version 2.0 qui a corrigé pas mal d'éléments, mais bon, globalement c'était pas encore ça non plus. Et la partie surtout combat, donc avec ce système de, il y a deux actions par tour alors que vous avez plusieurs personnages, et du coup c'est hyper frustrant et on sait pas pourquoi ils ont voulu faire ça. Du coup, moi, ruine toute l'expérience du jeu, et c'est pas faute d'y avoir passé du temps pour essayer justement de comprendre et d'y arriver, mais au bout d'un moment je me suis dit bon c'est peut-être pas fait pour moi, parce que les développeurs du jeu sont très attachés à ce système là et ils veulent pas le changer, alors qu'effectivement il y a quand même des retours récurrents sur le système de combat qui est un peu bancal, un peu fou, on peut dire un peu foireux, et c'est bien dommage que voilà, ça aurait pu faire un excellent jeu. Et d'ailleurs je pense que c'est pour ça que le Kickstarter a réussi, c'est parce qu'ils avaient des très beaux arts. Ça a l'air sympa. Ça voilà, très sympa. Très beaux arts et a priori bon système, donc du coup on se dit c'est sûr ça va être un super jeu. Bah, comme quoi, ça apporte finalement encore plus une pierre dans le jardin des gens qui n'aiment pas tout ce qui est précommande ou Kickstarter, parce que parfois voilà, il y a la mauvaise surprise et ça correspond pas à ce qu'on imaginait alors qu'on a déjà payé en avance. Ouais. Mais cela dit, je pense que le jeu a quand même mal marché, puisqu'il a été très rapidement mis en promo, bien du 50%, je crois, après un ou deux mois, donc assez étonnant. Ouais, bah là, il a 470 évaluations qui sont variables, c'est pas beaucoup. C'est moyen, bon. Ouais, c'est pas un jeu qui aura eu, qui a eu quand même une campagne Kickstarter, donc ça veut dire quand même qu'il y a eu déjà pas mal de gens intéressés, une communauté. Il a eu aussi des nominations, il était à l'E3, donc c'est quand même pas, enfin voilà, il y a eu quand même derrière de l'investissement, mais très clairement ils ont raté quoi, alors que finalement ils faisaient Banner Saga dans l'univers de Max, c'est bon, ils ont vendu des caisses sans problème. Ouais, mais encore une fois, quand les mécaniques de base sont un peu bancales, bah, c'est très très dur à rattraper avec tout le reste. En tout cas, je pense que c'est un titre qui va pas aller bien loin s'il change pas radicalement la base du jeu. Tout à fait. Et voilà, c'était nos deux nominés pour la super déception de l'année. Peut-être que l'année prochaine, je dirais que Blitzkrieg 3, sorti de Early Access, était finalement fabuleux, on verra ça. Et donc la cinquième et dernière partie, c'était évidemment le vote de la communauté, vos votes, mais comme vous avez été très nombreux à participer et avec beaucoup de titres, eh bien en fait, il y a beaucoup à dire, donc eh bien on a créé une vidéo spécialement sur ce sujet. Donc voilà, je vous invite à cliquer sur la fiche qui apparaît en ce moment sur votre écran pour vous rendre directement sur cette seconde vidéo où on parle des jeux que vous avez sélectionnés.